Miquelon-Saguenay, c'est une ligne haute tension de 735 kV. Qui va relier le poste Saguenay et le poste Miquelon. De 262 km de long. De près de 600 pylônes. Comme... Cela fait plusieurs années que les Pessamionautes entendent parler de la venue de cette ligne à haute tension sur leur territoire. Surtout avec la construction des barrages de la Romaine pour l'exportation d'électricité aux États-Unis. Une interconnexion pour acheminer l'électricité vers le sud. En 2018, pendant un an, Hydro-Québec et Pessamit ont négocié une entente. Pessamit a informé sa population par les ondes de la radio communautaire. Les négociations se concluent par l'entente Pipmuagan. Un accord concernant, entre autres, le caribou forestier, le rehaussement de la centrale Manic 5, la ligne Miquelon-Saguenay et le développement récréo-touristique. Non. Par souci de transparence, Pessamit a voté en référendum. La première fois en juillet 2019 et la deuxième fois en février 2020. Sophie Brochu, directrice générale d'Hydro-Québec, rappelle que les référendums ne portaient pas uniquement sur la ligne. La ligne Miquelon-Saguenay a été construite, Mme Bacon, pour des raisons d'opération de réseau. Alors, l'électricité, comme vous le savez, ça voyage en temps réel, ça, puis il faut acheminer l'électricité des points de production vers les centres de consommation. Alors, c'est un projet de désengorgement des lignes de transport. Oui, allô? Adélard Benjamin, coordonnateur pour le secteur territoire et ressources, affirme que le projet Miquelon-Saguenay a été construit sans l'approbation de la population de Pessamit. Les gens se sont montrés très perplexes. Ils ont cette peur, cette crainte-là de se faire flouer encore par... cette société qui est Hydro-Québec. La société d'État se défend en disant que les référendums et les ententes ont été convenus avec la gouvernance de Pessamit. L'entente globale qui portait sur plusieurs sujets n'a pas été acceptée. Hydro-Québec, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris en compte les préoccupations, les avis, les conseils qui lui ont été donnés pour la réalisation de Miquelon-Saguenay. Et allant de l'avant avec Miquelon-Saguenay, a déployé tout ce qu'elle pouvait pour prendre en compte ce qui semblait important aux yeux de la population. Madame Brochu ajoute que si c'était à refaire, Hydro-Québec aurait une présentation d'une entente plus restreinte et plus spécifique. Alors, Hydro-Québec n'a pas voulu rentrer dans la gorge la réalisation d'une ligne dont les gens ne voulaient pas. C'était absolument pas l'intention d'Hydro-Québec. Ce qui a été refusé par la population, puis on respecte ça, c'est l'entièreté de l'entente. On va commencer par les chefs. Oh! Je vais aller avec la chef élue. Ah! Ayant été présente durant les négociations avec Hydro-Québec, la chef nouvellement élue de Pessamit affirme que le montant d'argent proposé au départ dans l'entente Pipmuagan était de 100 millions de dollars. Le montant diffère dans l'entente actuelle. 15 millions de dollars pour faire travailler les Pessamionautes dans le projet, selon Vachon. Il y a deux référendums. Moi, je vais y aller selon le référendum, mais malgré ça, il nous a carrément dit, malgré le refus, moi, je dois tenir les travaux. Il devait les tenir. C'est ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il nous a fait en faire un 15-16 millions pour des travaux pour les projets. Le projet celui-ci pour les Autochtones. Salomon Copeau, un aîné de Pessamit, veut plus de transparence. À
Après la présence des 13 barrages sur le Nitassinan de Pessamit depuis les années 50, la déforestation du territoire, le changement de mode de vie des Pessamionout, avec des compensations futures ou non en dommages et intérêts, Salomon Kopo souhaite. Chouchan Bakon, Nouvelle nationale d'APTN, Pessamit.